Pen et Loustic, aujourd'hui on se retrouve comme prévu, ouh ça commence bien, pour un haul chez Aim. Le sac est juste ici. Je vais faire les essayages avec vous, sauf une pièce qui est le maillot de bain que je vous montrerai juste comme ça. Car je me sens pas pour l'instant assez confiante pour le porter. Peut-être par la suite je vous en ferai des hauls où je les porterai. Mais sinon tous les autres, le reste je vais vous le montrer. On commence de suite. Je prends une petite gorgée avant de commencer, si je la mets comme il faut. Et on commence. Alors on va commencer. J'ai voulu essayer un jean comme ça, large, déchiré là. Je l'ai pris en... Je prends tout chez les curves. Hein. Ça m'arrive de temps en temps de prendre en taille normale, mais c'est toujours, que ce soit en taille normale ou chez les curvies, du XL. Ce qui est équivalent à 44. Le plus souvent c'est du 44, c'est rare quand je le prends un XL, faut vraiment que ce soit c'est surtout pour les jeans, sinon je tourne 42-44. Donc on va l'essayer. Donc voilà, la taille, nickel. Par contre la longueur, il va falloir que je le coupe. Je ne recommanderai pas, je couperai, ça fera effet déchiré parce que regardez, j'ai de la marge. Pourquoi ils les font si larges, si longs, je veux dire. Ils ont cru qu'on était des... Bon, c'est pas grave, ça sera fistol. Allez, on passe au suivant. Après, j'ai pris un pull comme ceci, avec les manches transparentes, toujours en XL. Je le passe de suite. Alors voilà ce qu'il donne. Par contre je trouve qu'il colle beaucoup à la peau, j'ai pas l'habitude. Mais c'est les lolos là, c'est un petit peu... Alors si vous avez de gros lolos, c'est pas la peine. Mais sinon, j'aime bien, il est nickel. Vous voyez? Je le mettrai. Allez, suivant. Et c'est un petit ensemble pyjama que j'ai pris en XL aussi. J'ai laissé le soutif dessous, hein, faites pas attention. Qui se présente comme ceci. Vous voyez? Voilà. Pas mal, hein? Suivant, on continue. Après, c'est une petite robe qui se présente comme ceci. Voilà, en XL toujours. Alors, pour la robe, je vous descends un petit peu pour que vous puissiez voir, qui est comme ceci. Le haut, vous voyez? Nickel, elle est fendue derrière, vous voyez la petite femme, j'adore, ça change, bon c'est près du corps, hein. Faut en avoir l'habitude, j'aime bien. On passe au reste. Alors là, on repasse à un jean. Désolée, le bouton est ouvert parce que je les ai quand même essayé avant. J'ai pas pu attendre. Qui se présente comme ceci. Et là, c'est un jean coupe droite. Toujours en XL. Je l'essaye de suite. Alors, je vous descends. Et voilà pour le pantalon.
Nickel. Par contre, je pense que là, j'aurais dû peut-être prendre un aile parce que j'aurais pu me déshabiller. Bon, ça va pas arriver tous les 4 matins, mais bon, un petit peu de pression quand les enfants s'agrippent. Sinon, après la longueur, il est comme ceci, il est nickel. Super. Allez, je vous remonte et on passe au reste. Bon, désolé pour la bouffe, hein. J'ai pas le temps là, j'ai eu encore des choses à faire. Mais bon, voilà. Alors là, ce sera un accessoire. Une ceinture avec une petite sacoche et une petite chaîne. Je vous mettrai les liens et les prix pour ceux à qui ça intéresse. Je vais passer la ceinture et je vous reprends. Voilà pour la ceinture. Vous voyez, j'aime bien, c'est trop mignon. Même sur une robe, ça peut le faire. On passe au reste. Pause. Quoique, on va rester dans les ceintures. Toujours une ceinture avec une chaîne dorée cette fois-ci. Trop petite. Alors, je pense que j'essaierai sur une robe. Là, voilà, comme ça. Sur une robe, comme ça, dans ce style-là. Parce que sur le jean, c'est pas la peine. Non, 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 non. Alors après, j'attrape. Je me suis pris des cyclistes en XL toujours. Pour sous les robes, enfin, pour être à l'aise. Je le passe et je reviens. Alors, pour le cycliste, je vous redescends. Vous voyez, il s'arrête ici. Super confort. Il englobe bien. Bon, par contre, c'est très extensible, donc vous pouvez en mettre, hein? Mais sinon, j'aime bien. Voilà, on passe. Oups. On passe au restant. Ouf, par contre, j'ai chaud. Il est très chaud ici aujourd'hui. À la vôtre si vous buvez un petit coup. Allez, à dessus. Après. Une robe. Je crois que j'ai à fond sur les robes là. Et elles sont toutes plus ou moins pareilles. Comme ceci, à fleurs, rouge. Toujours avec. Ah non, pas celle-là. Non, celle-là, elle n'a pas de petite ouverture derrière. Toujours un XL, toujours. Et je la passe et je reviens. Alors, la robe, je vous redescends. Tantanante. Nickel, hein, vous voyez. Elle descend à mi-mollet. Attendez. Vous voyez? Voilà. Sinon, niveau taille, elle est bien. Toujours aussi moulante, donc bon pour les nénés. Voilà. Mais sinon, je l'adore. Très confort. Marque bien la taille. Et on continue. Je vous remonte. Coucou!
Le voilà, le maillot de bain. Alors, c'est un maillot de bain comme ceci. Un XL, toujours. Le bas, nickel. Il taille bien. Et le haut, il se présente comme ceci. Mais malheureusement, le haut... Coucou! Il est magnifique. Mais malheureusement, le haut est un petit peu petit, un peu juste pour ma poitrine. Mais il est... Lolo. Mais bon. Du coup, je crois que si je reprends les ensembles de maillots, faudra que je tente un XL. Juste pour, surtout pour le haut, pour être à l'aise. Parce que si c'est pour être comprimé et avoir les nénés, rapapla, c'est pas non plus le but. Bon, la culotte sera un peu plus grande, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, ben, les prendre séparément, je verrai. On continue. Alors, je vais piocher et je reviens. Alors... Pour la pièce suivante, j'ai repris un ensemble de pyjamas. Je vous descends. Comme ceci, avec des petites licornes, vous voyez. Pour la nuit, pour être à la maison. Avec le petit short. Vous voyez, nickel. Sont super confortables. Je crois que j'en prendrai d'autres de cet ensemble comme ça. Et on passe au reste. Ce n'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on continue avec les robes. Alors, celle-là, elle est moche comme ça, trois quarts. Elle se présente comme ceci. Il y a la petite fente. La petite fente derrière. Je la passe et je vous montre. Me revoilà. Alors, je vous descends déjà pour voir le haut. Vous voyez, c'est toujours très moulant, hein, décidément. J'ai pris que des robes moulantes cette fois. Ça fait ressortir... Ouais, non. Là, on les voit bien. Et après, la robe, vous voyez, comme ceci. Par contre, elle est très, très, très longue. Elle arrive au-dessus de la cheville. Mais sinon, la petite fente, toujours. Nickel. On continue. Alors là, c'était un article qui était pour le père de mes garçons. Je le fais découvrir, je lui fais devenir Shein addict. Et il a pris la plus petite taille qui, enfin, la plus petite, non, il a pris du M. Ce qui fait normalement, habituellement, dans les magasins classiques d'ici. Mais malheureusement, il lui est trop grand. Il était sympa pourtant. Avec des petits patchs, des petites déchirures. Et derrière. Donc voilà, ben... Il va reprendre, du coup, il reprendra un S. Et celui-là, ben, je lui ai piqué, même si c'est un short d'homme. Et on essaye le reste tout de suite pour ce qui est de mes vêtements.
Alors, je vous dessine un petit peu. Voilà pour le t-shirt. Vous voyez? Je le trouve très sympa. Très très sympa. La longueur, il est quand même assez court, mais bon, après, ça va pour entrer dans les jeans. Voilà. Sympathique. Bon, ça fait toujours autant ressortir les loulous, mais... Voilà. Et on continue. Je vous remonte, parce qu'il y en a un deuxième. Alors, le deuxième est comme ceci, toujours en XL. Coloré, hein. J'essaye de pas de mettre du coloré, d'éviter de replonger dans le noir et tout. Voilà. Donc, je vous le passe. Alors, voyons voir. Je vous descends. Voilà. Génial aussi. Moi, c'est pas tout à fait la. Non, si c'est la même matière. Maillot super fin, super moulant. Bon, après, si vous avez pas de crainte par rapport à votre corps, c'est nickel. Pareil, la même longueur, vous voyez, il est génial aussi. J'aime bien, ça change, c'est original. On remonte d'un cran. Et je continue. Alors, j'avais repris, c'est le même que tout à l'heure, hein, mais j'en ai pris deux pour pouvoir tourner. Voilà, le cycliste. Et là, on revient aux robes. Voilà, comme ceci. Avec une petite fermeture derrière. Mais moi, je vous avoue que quand je l'ai essayé, je ne l'ai pas ouverte, la fermeture. Je n'avais même pas fait gaffe qu'il y en avait une, mais bon, je l'ai passée quand même. Les manches sont comme ceci. Et il y a toujours la petite ouverture. Je la passe et je vous montre. Voilà pour la robe. Zut, je vous descends. Vous voyez, elle est comme ceci. Super moulante. Vous voyez, toujours la petite fente. Oups. Je vous descends. Toujours la petite fente. J'aime bien. Confort aussi. Bon, toujours moulante. Donc, faut aimer. Hein. Après, encore une robe. C'est la dernière. Et dans le thé, je referai un petit parce que du coup, j'ai pris des t-shirts et des pantacours et shorts en jean. En calé comme ceci. Toujours en XL. Toujours la petite fente. Je la passe. Bon, le repasse, c'est là. Bon, désolée, j'ai pas pu la mettre vraiment comme il faut parce que je transpire. Mais sinon... Elle est pas trop mal. Vous voyez, là, sur le côté, j'aime bien. Sur le devant, là, ce que ça fait, j'aime bien. Ça marque bien la taille. Après, la longueur, elle s'arrête, vous voyez.
Toujours la petite fente. J'aime bien. Et il reste une pièce et je vous laisse tranquille. Alors, la dernière pièce, c'est une chemise à capuche. Comme ceci. Voilà. Alors, voici la chemise à capuche. Oups, je vous descends un peu. Vous voyez, elle taille bien. Il y a cette place pour les lolos. C'est agréable. Non, franchement, elles sont nickel. La petite capuche. Et bien, c'était le premier haul Shein. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous mardi pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.